Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Act of Aggression. Aujourd'hui nous attaquons la dernière mission de la campagne du cartel qui s'intitule Olympe n'est plus, vive Héliopolis. Nous avions essayé d'évacuer, on va dire notre base, et excusez-moi, nous avons fait un chemin de retraite pour Hermès, alias le général Wickel, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on va peut-être devoir l'aider. Enfin, vous verrez bien ce qui nous attend dans cette mission. Je vais vous laisser avec la cinématique. On se retrouve tout de suite après. Alors, la mission qui manque, c'est un objectif qui n'est pas... Enfin, un objectif secret, mais je le connais. C'est juste que je ne l'ai pas encore réalisé. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous dirai dans le pire des cas comment il faut le faire. Wittel will be fighting the main battle. We are to support a separate battle group. This is a suicide mission. I know. That's why I've made other arrangements. The Olympus cell, you know, isn't the whole cartel, Captain. There are others. And you managed to contact those other cells? She did. And pledged herself to our service, Captain. As can you, if you're willing. They'll let us join them, Pete. We could disappear, even from Wittel. Wittel or Hermes, who's keeping a stash of incriminating data which could lead to us. With their help, I've created a computer worm, able to break through Wittel's defense. I'll be able to delete all compromising data, but it will take time. Keep their HQ in one piece and away from Chimera long enough. Do that, and we'll make sure that you don't share the fate of the Olympians. Unit is on. Enemy spearhead rushing to your front, and this is just their vanguards. Yet, our recon indicates that those outposts have been set up too hastily. We must seize this opportunity to capture them with a coup de main, and turn their infrastructures against them. But you might not be able to capture all of their bases. In this case, do not hesitate to wipe them out by any means at your disposal. I'm in their system. Just hold the line while the worm is doing some cleaning. You are to protect my men's HQ at all costs, understood? Striking now without further preparation won't leave us time to deploy a field HQ. You'll have to deploy one later, during the operation. It will therefore be up to you to choose the best time for that. Bon. Il est important de faire bien plein d'infanterie. Alors, les hélicos, vous allez les envoyer ici. Ils m'ont déjà fourni des avions. Dommage. D'habitude, ils m'en fournissent pas, donc ça choque. Déployer un QG, je vais essayer les objectifs. Un objectif consiste à capturer ces 4 bâtiments là, secrets. Alors, il faut 2 là, 2 là, 2 là. Et le dernier là. Allez, allez, il faut que je sois plus speed, je suis déjà trop lent. Il faut plein d'infanterie. Voilà. Alors ici, vous récupérez des ressources. À gauche, ça couvrira largement assez longtemps. Hop. Storage capacity has reached its maximum. Ils ont déjà sacrément simplifié cette mission, si vous voulez mon avis. Parce que, en fait, initialement, quand on faisait cette mission-là, Attendez. Alors, ici, vous pouvez déployer votre QG, donc déployer le plus rapidement possible. Faites ça, c'est une amélioration, donc on récupère les ressources. Unit
Ces infanteries vont devoir y aller en urgence. Alors là-dedans, il y a des snipers normalement dans ce bâtiment-là, donc c'est pour ça que je suis prudent. J'ai ramené l'ADC en haut. Alors voilà. Envoyer ces infanteries ici parce qu'il y a de l'infanterie dans ce bâtiment là. Là on aura bientôt notre nouveau QG. Alors c'est vraiment, faut vraiment être assez rapide dans cette mission. Alors je pense des fumigènes, c'est bien évident pour passer discrètement vers les ennemis et rentrer dans la banque. De mémoire, il y a des snipers dedans. Et ça, il y avait des snipers. Ici, on rush le bâtiment là. Ils ont pu quand même pas de tir automatique, si, donc tir automatique, génial. Urgence de capturer bien évidemment les bâtiments là. Hein. Faut bien qu'on ait un flux de ressources. Donc ce bâtiment là, c'est bon. Ici, on va pouvoir développer ça. Unit is under attack. Voilà, ces unités avancent. On va récupérer des ressources en plus. Donc pour l'instant, tout se passe plutôt bien. On va faire aussi, j'ai oublié de faire infanterie pour ce bâtiment-là. Il faut vraiment être rapide, donc je m'excuse si j'explique pas beaucoup, mais j'ai pas trop le choix. Fuck back up, c'est déjà fait, donc il me faut rapidement ce bâtiment-là. Et il y a beau furtif qui va avec. Donc ça c'est bon. Ce bâtiment est capturé. Toujours deux par bâtiment. Ici on s'en fiche totalement de ça. Ce qui est important c'est les prisonniers. Donc hop, ça c'est bon. Vous deux, j'en ai besoin pour tirer là-dessus. Après vous envoyez 6 infanteries là. Building completed. Oui, j'admets, c'est énormément. Faut vraiment faire beaucoup de choses à la fois, mais faut être très rapide en début de partie, sincèrement. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, il nous faut exploser ce bâtiment. Une fois détruit, il nous faut des comics phoenix. Donc je m'excuse si j'explique pas beaucoup, mais c'est indispensable. Il y a deux bases principales, une ici et une là, que si vous rasez, vous accomplissez un objectif secondaire. À l'époque où je l'ai fait, il y avait un bug, ça nous faisait échouer la mission. Je sais pas si ça a été corrigé depuis, donc à vous de voir. Et de vérifier, je peux pas vous le dire comme ça. Voilà. Voilà. Ici c'est bon. Voilà. Alors il me manque de l'infanterie, bien évidemment. Et oui, non. Voilà, donc la base aérienne, enfin l'aéroport est fait. Alors, hop, 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 hop. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant mes colligas, je les ai besoin à gauche. Vous voyez, c'est... D'ailleurs j'ai oublié de faire cette amélioration là. Ici j'ai ces bâtiments là. Énergie, faut que je commence à prévoir
4 double générateurs Nova, il me faudra même triple. Après, on va faire. Bon, avec ça, ça devrait être largement suffisant au niveau ressources. Ici, je vais bientôt avoir assez. Alors, l'un des objectifs, ils vont un moment envoyer des bombardiers sur les ennemis. Et de détruire ces bombardiers avant qu'ils lâchent leur première bombe. C'est le seul objectif que j'ai pas encore accompli. C'est un succès qui est précisé dans la liste Steam. Donc, c'est pas vraiment un objectif secret. Parce que vous pouvez être au courant. Désolé du téléphone. Là, je peux pas le prendre. Alors vous voyez qu'ici j'ai déjà récupéré les ressources là je suis en train de vraiment forcer dessus. Ici mes DCA je vais les ramener au milieu parce qu'on en aura besoin. Il me faudra aussi les recherches là. Il faut vraiment que je pars sur plein de recherches, c'est ça qui est dur, c'est qu'il faut faire énormément de choses à la fois. En très peu de temps. Ici. Est-ce que j'ai les miniguns? J'ai pas les miniguns, c'est génial. Bon. Les gars. Allez, vite. Ici c'est bon. Alors ici on pourra déployer après deux tourelles de défense gardienne. D'ailleurs on va ramener un gars de la banque, c'est pas grave si on a moins. Alors on fait ça puis après on mettra. Voilà, on met ça et après on mettra des. Je vais en déployer deux. Non. Je vais pas déployer. Pourquoi ça s'annule? Ah, c'est chiant ce bug là. Bon ben. On va faire ça. Mes Koalija sont enfin arrivés. Non, ça c'est mon infanterie. Où sont mes Koalija? Ici. Or. Deux tirs ici. Base is under attack. Alors là, vous voyez que mes troupes font vraiment le café. Hein. Je vais envoyer ces unités là, ici. Qu'est-ce qui coûte que de l'alu? Je vais pas faire cette recherche là. Ça coûte que de l'alu. Je manque vraiment d'argent, ça j'y peux rien, c'est. Upgrade completed. En quelque sorte un concours de circonstances qui fait voilà. Upgrade completed. Voilà, c'est. Building completed. Bah, là-dedans, j'ai envoyé ça récupérer ce bâtiment-là. Faut vraiment que je récupère ce bâtiment-là, mais le problème, c'est que je manque vraiment d'argent, là. Donc, les banques sont vraiment très importantes. Oh, mince! D'ailleurs, pourquoi je peux pas D'accord, je peux faire ça, mais... Bon, j'ai perdu l'aérodrome, normalement, on peut... Je perds pas l'héliport, d'habitude. Bon, c'est pas grave. C'est que je... Upgrade completed. Upgrade completed. Alors.
Genre mon infanterie m'aider contre les véhicules, bien évidemment. Voilà. Building completed. Couper le générateur de courant, ça permet. Non, 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 attendez, attendez. Hey. Toutes ces ressources-là me seront utiles. Bien joué les gars. J'ai besoin de ces ressources, je me rappelle. Oh la vache, non, c'était pas prévu, c'est la première fois qu'ils me font ce coup là. C'est vraiment la première fois qu'ils me le font. D'habitude ils viennent jamais ici. Putain, je suis vraiment maudit, En fait d'habitude normalement vous pouvez protéger l'héliport là, j'ai juste oublié les javelins donc c'est ça qui m'a coûté l'héliport, mais normalement vous construisez ça et c'est bon, vous protégez l'héliport et il vient jamais dans votre base principale. C'est que là... Le problème c'est que maintenant il faut que je fasse toutes mes recherches aussi. Faut que je prévoie plein de... vraiment de m'énerver là. Upgrade completed. Putain, j'aurais dû enlever mon hélico de combat. Je viens de tilter que j'avais un hélico de combat. Je joue mal. Base is under attack. Ce qui est honteux. Donc maintenant au milieu. Voilà, j'ai plus de pognon, déjà plus de pognon. Voilà. Vous voyez le gros souci que j'ai dans cette mission, c'est que j'ai toujours un problème d'argent. Voilà, donc ça on coupe parce que je peux... Bon, au moins d'un côté j'ai ça qui marche bien, j'ai... Upgrade completed. Après si je peux avoir un hélico de reco, enfin un hélico de reco, un hélico furtif, ça peut toujours être avantageux pour moi. Captain, our intelligence indicates that the US loyalists are sending heavy bombers. They are on their way to obliterate the rebels' HQ. Stand ready to intercept them. Ah, bien vite. Non, c'est des bombardiers furtifs, vite, il me faut vite la recherche des bombardiers. Ah, c'est bon, je vais. Base is under attack. Bon, lui il est mort. On va finir ça. Upgrade completed. Upgrade completed. Y a Nick. Je sais pas où j'ai foutu un de mes hélicos de. Un de ces icônes là, bon bah. Alors ici, faites sauter le générateur. C'est que faire sauter le générateur, ça peut coûter. Je suis prêt à prendre un risque. Mince! J'aurais pas. Un des objectifs secrets était de tout capturer. J'ai tenté le risque. En fait, normalement, comment il faut faire, c'est que vous avancez avec vos. Je vais pas recommencer pour ça, sincèrement. Je vais vous expliquer comment faire. En fait, vous avancez avec ces unités-là. J'ai voulu tenter un truc. Vous avancez avec ça, avec tous les codes de transport furtif en scout. Vous les faites avec l'artillerie. Vous avancez tranquillement. Vous développez tous les blindés que vous croisez.
ça c'est bon, bientôt. One of the enemy bombers has entered the combat zone. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un petit bonus dans ma dernière vidéo que j'ai fait. Alors dans ma dernière vidéo, j'ai planté un objectif bonus et là je vais l'accomplir devant vous. Objectif bonus, donc capturer les 4 usines. Bon, mon allié a fait énormément de problèmes. J'ai capturé l'hélico et j'ai capturé le satellite. Ce qui fait que je gagne un objectif bonus. Voilà. Donc je vais juste vous présenter cet objectif bonus. Donc comment faire pour là? C'est simple, vous prenez des chercheurs, vous les positionnez ici, vous dégommez le bunker avec artillerie, vous déployez avec de l'infanterie juste ici. Et normalement, une fois ça fait, en fait, les chars sortent, vous pouvez dégommer tout de suite avec les chars chaînes qui ont l'amélioration de portée et de double missile. Comme ça, ils font des tirs indirects sur les chars et vont en gros avec 4 chars chaînes, vous dégommez un char. De cette manière-là, vous recevez cet objectif bonus. Donc voilà, comme ça au moins je vous ai montré comment faire. Je m'excuse encore d'avoir échoué dans le premier extrait que j'ai auparavant. Donc je vais faire une petite coupure au milieu. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette petite partie, donc je vais se reprendre avec la vidéo normale. Stealth enemy detected. Voilà, l'un des objectifs est d'abattre tous les bombardiers avant qu'ils larguent une seule bombe. Donc c'est en soi pas le plus dur. Bon bah tant pis, j'ai fait une erreur et ça va me coûter cher, sincèrement. Voilà donc c'est dommage, j'ai pas pu accomplir tout l'objectif, ça arrive. En temps normal, je recommencerai, mais je sais pas ce que je vais faire là, parce que je pense pas que vous avez besoin que je recommence pour savoir ce qu'il faut faire. Il faut vraiment que je remplisse par contre mes hôpitaux. Ah, mais les gars. Par contre, contrôlez bien les tirs devant ce roquette parce que sinon, on va vous faire péter des bâtiments qui peuvent vous rapporter des ressources. Comme ce qui vient de se passer ici. En soit, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Stealth enemy detected. Je vais faire un truc qui va surprendre tout le monde, mais vous allez comprendre plus tard. Unit is under attack. Là, les ressources par contre, bon, je vais extraire toutes les ressources que je peux des bases. Non, pas ça. Pas ça. Alors, je vais construire ça là pour avoir accès en fait à certains bâtiments que je peux pas faire de là où je suis. Là je vais construire deux systèmes de tor. Je vais construire ça, donc c'est un système anti-aérien, anti-terrestre et surtout anti-armes stratégiques. Il balance pas de nuke mais bon. Que vous sachiez comme ses caractéristiques. Et il va me servir justement à défendre le milieu. Detected. Il en faut 3 là. Unit is under attack. On est pour les 4 ici. Building completed.
Upgrade completed. Ah, c'est dommage pour mes erreurs, c'est... Unit lost. À mon avis, avec deux... Deux de plus, c'est largement suffisant. Par contre, si je fais ça, j'ai juste créé un... Parfait, ce bâtiment est en train de se construire. Ça permet aussi de diminuer le temps de trajet de construction de mes bâtiments, ce qui en soit vraiment agréable. Et par contre, vous avez blindé de blazer. Ça, c'est... Le blazer, c'est la vie. Upgrade completed. Ici, je vais construire... je vais pas construire un générateur Nova, je crois. Si. Unit is under attack. On va construire. Ben. Voilà. Building completed. Est-ce qu'on peut les construire à côté de toute structure, donc. Je vais déployer des. Des bâtiments de ressources. Unit lost. Ici dans la ville. Building completed. Voilà, donc ils ont un QG là-haut, je vais balancer deux tirs, je crois que je vais abattre certains de leurs centres de contrôle, c'est pas grave. Et ça permet de diminuer leur puissance de feu. Voilà. Et en soi on va pas dire non à diminuer la puissance de feu américaine. Et aucun centre de contrôle à ce moment-là. Pas pour moi. Unit lost. Unit is under attack. I don't wanna die here. Je vais les envoyer là-haut parce qu'ils me prennent un peu trop de place, sincèrement. Building completed. Ici on va construire la tête des générateurs Nova. Unit is under attack. Parfait, maintenant que je sais à quoi ressemble leur base, on va faire un tir ici pour les perturber. Ici, juste pour dégommer ça, et on va faire un tir là. Je vais vraiment laisser le bâtiment de... Je sais pas comment il s'appelle ce bâtiment. Le bâtiment, l'aérodrome en fait en vie, pour faire un succès moi, qui manque, hein, pour montrer qu'il faut abattre tous les avions. Ici, ils ont... L'avantage c'est comment ils perdent énormément de blindés en faisant comme ça. Donc de puissance de feu. Donc ici mes unités là s'en sortent bien. En soi, il me faut plus de générateurs Nova, je dis jamais non. Stealth enemy detected. Parce que je compte faire deux aérodromes de plus pour avoir encore plus d'avions de chasse. Unit is under attack. Ah, donc. Upgrade completed. On vise les ressources. On n'a pas besoin de faire plus, hein. Stealth enemy detected. C'est moi, j'ai un visuel pour... Ici c'est de l'argent qu'ils exploitent, ici c'est de l'argent qu'ils gagnent, donc on va le faire raser. Yeah,
Ici par contre on va construire ça, ça. Là-haut on va construire des trucs manutentionnaires. Je sais plus comment ça s'appelle ces unités. Ça par contre c'est beaucoup trop loin. Il faut profiter de la force de projection que j'ai fait en mettant un bâtiment dans la ville. Voilà. Vous venez de voir. Une interception d'armes. Je construis toujours plein de chasseurs. Pour toujours cet objectif. Hein. D'ailleurs j'ai oublié de faire un truc dans ces prisons, c'est d'améliorer le rendement. En améliorant le rendement, les prisonniers me rapporteront le double. Donc c'est aussi un rentable à le faire. Et toujours une escadrille en vol, donc trois avions. Voilà, c'est vraiment beaucoup de micro. Faut savoir, vous n'avez pas besoin de faire tous les objectifs secrets en une seule mission. Vous pouvez faire en autant de missions que nécessaire. C'est ce que je fais personnellement et ça marche très bien. Je crois qu'ici il y a des terres rares. Unit is under attack. Argent. More bombers incoming. We have detected two of them this time. I think you've pissed them off. Upgrade completed. On va capturer quelques prisonniers de plus. Ça fera toujours de l'argent en plus. Aluminium, je crois, commence à manquer. Ouais, j'ai déjà vidé un gisement, mais mes deux. Alors, ces avions-là vont. Je vais les rapatrier. Alors, ça peut vous paraître bizarre que je rapatrie ces avions, mais la logique, j'ai une logique derrière. Comprendra assez vite. Alors faites plein de prisons, ce que vous voyez, je commence vraiment à manquer de ressources. Unit lost. Notamment d'aluminium, autant argent. L'argent n'a jamais. Argent, il y a des moments où vous avez des périodes où vous manquez d'argent, mais globalement, c'est pas la ressource qui vous posera problème. Unit is under attack. L'aérodrome là, est-ce que j'ai fait amélioration? Oui. Building completed. Building completed. Je vais attendre un peu les autres, je vais déployer à 20 secondes mes derniers avions. Encore une fois, pour être certain d'avoir deux. Oups, j'ai totalement oublié de les déployer. Hop 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 hop. Voilà. Unit is under attack. Ah oui, je pourrais construire un radar au milieu aussi. Alors, c'est pas anodin de construire un poste de. Je sais pas si ils ont le temps d'arriver au bon. Comme ça, ça augmentera ma portée de détection des avions furtifs. Qui serait, je pense, en soi une très très bonne idée. Alors, je diminue mon argent. Mon taux d'argent pour de l'aluminium. C'est un choix, encore une fois. Pour pouvoir avoir un peu plus d'aluminium, parce que tous mes gisements sont vides, mais il me reste encore des raffineries d'argent. Et il me reste largement de quoi faire avec l'argent, mais pas avec l'aluminium.
Alors, petit récapitulatif, donc ici, avant de capturer tout ça, vous mettez un javelin et vous préparez dans les quelques tours de défense. À gauche, vous tirez pas artillerie comme la connerie que j'ai pu faire. Parce que voilà ce qui se passe quand vous faites la connerie. Vous perdez bâtiment. J'ai totalement oublié qu'il m'a besoin de me montrer ça. Après... Ah, j'ai bientôt vidé cette banque. En plus, j'ai des banques qui me rapportent d'argent, j'avais oublié. J'ai vu beaucoup de choses, j'admets. Alors, je vais faire des contracteurs, parce que contracteurs, c'est la vie. Unit is under attack. Ici, on va... Ah, j'ai pas activé, j'ai pas le système d'interception des missiles aussi. Vu que j'ai pas capturé d'armurerie, j'y vais pas. C'est bon à savoir aussi. Donc ici, on va faire ça. Stealth enemy detected. Alors, pourquoi je fais des... comment ça s'appelle, des Vanguard? Simplement parce qu'ils sont furtifs. Bon, ils ont des icônes de scouts, c'est vrai. Mais ils ont plus de chances qu'une unité furtive puisse quand même traverser hors ligne qu'une unité non furtive. Enfin, puisse capturer plutôt les unités par terre. Par contre, ça, le fait que j'ai perdu mes... Le fait que j'ai pas eu l'armurerie me coûte cher, par contre, sur ce coup. Parce que j'intercepte pas les missiles, d'habitude j'intercepte les missiles avec ces unités-là. Mais pas d'armurerie, pas d'interception de missiles, donc je dois faire 100. Voilà, tout simplement. Alors, l'ennemi est toujours plus virulent à gauche qu'à droite aussi, faut savoir. Je n'ai jamais su pourquoi, mais c'est toujours à gauche où j'ai des soucis, à droite j'ai... J'en ai pas, tout simplement. Stealth enemy detected. Ah, comme ça ici, on est en train de capturer un grand nombre de prisonniers. Ouais, ce qui est juste parfait, sincèrement. Ah, oups, oups, caméra de suivi, bonne idée ça. Stealth enemy detected. Voilà, donc les Vanguard ont fait boulot, donc ici je dois avoir quelques prisons pleines. Pour virer un agu. Encore une fois, c'est de l'agu, voilà, c'est vraiment... Priorité aluminium là, parce que... Je gagne pas beaucoup, faut être sincère, je gagne pas d'aluminium. D'accord, j'ai mal fait, mais... Tant pis, je les mets vraiment à l'arrache, ça je l'admets. Je maximise pas à place, rien du tout. Le but est d'avoir des prisonniers pour avoir de l'argent, enfin des ressources. Ils vont pas être rentables. Par contre, ils ont augmenté les portées automatiques. Ah non, non, excusez-moi, c'est l'amélioration qui fait qu'ils augmentent leur portée contre les avions. Ça me paraît assez bizarre. We have detected a whole squadron of strategic bombers heading for the combat zone. Building completed. Stealth enemy detected. Voilà, comme ça. Ah, toujours dans un souci de il faut faire mal, il faut que j'arrive à détruire une partie de leurs ressources. Moins ils ont de ressources, moins ils peuvent produire, moins j'ai de soucis.
C'est toujours la même philosophie. Vraiment français à avoir l'habitude, je pense. Comme ça, ici, en plus, j'ai abattu le... un générateur, c'est ça, je crois que c'était. Ouais, c'est ça, c'est un générateur. Les assauts ennemis, quand même, quand vraiment à diminuer, si vous faites attention, on n'a plus trop de soucis là d'assaut. On va prévoir d'avance plein de prisons par contre. Base is under attack. Satellite recon reports that the enemy is massing troops north of your position. Voilà, c'est la chimère. C'est la chimère qui arrive, donc des troupes de la chimère vont arriver de ces 4 points là. Ouais, donc c'est... Scramble your fighters, here they are. Voilà. Donc mettez un radar au milieu, c'est une bonne idée que j'ai eu de mettre le radar au milieu. Ça... Voilà. Vous voyez, c'est pour un CRN. C'était le dernier succès qui me manquait, donc dernier secret. Donc comme prévu, je vous rassure, dans le vidéo d'après, vous aurez l'ensemble de... des succès que vous pouvez réaliser. Unit is under attack. Je mettrai tout dans une vidéo à part, comme ça je dirai les chaque objectif secondaire, chaque objectif secret de chacune des missions, enfin surtout secret. Parce que autant secondaire c'est indiqué, autant secret c'est pas indiqué, donc je pense que c'est ce que vous voulez, que vous préfériez avoir. On voit, là le dernier objectif secret que je pourrais faire, ça serait d'exposer les bases, mais je ne sais pas si le bug a été corrigé. Donc j'ai pas envie de... Enfin, il y a une technique pour éviter que Bugs de tout perdre, c'est que vous sauvegardez et vous rasez ses bases, quoi. C'est la technique que j'ai trouvée. Et si vous voulez, on vérifie ensemble si le bug y est toujours ou pas. Unit lost. C'est ce qu'on va faire. Non, ici, aérodrome. Voilà, donc les escadrilles au début, je crois qu'il n'y a qu'un seul bombardier, après 3 et à fin 5, ou c'est 1, 2. C'est soit ça, soit c'est 1, 2, 5. Non, excusez-moi, 1, 2, 5 ou 1, 3, 1, 3 5. Voilà, vous voyez les troupes de la chimère quand ça arrivait. Donc, on va dire raser à base de droite, je pense. Unit lost. Ouais, c'est bien ça. C'est vraiment une portée pourrie. Hein. Unit lost. Ready to strike. Building completed. T'as vu quand même la portée qu'ils ont. Je pense qu'ils devraient augmenter un peu leur portée contre les hélicos. Contre l'aviation, ça marche très bien. Contre les hélicos, il faut pas beaucoup de dégâts dessus, donc il faut qu'ils soient en masse. Mais autrement que ça, ça... Bon, voilà, cette défense-là, l'avantage, c'est que ça me permet d'avoir une défense au cas où. On va sauvegarder au cas où, parce que si jamais j'ai détruit haute base sans m'en rendre compte. Je préfère être sûr et assuré. On voit, donc ici on fait encore ça. Toujours plus d'aluminium, donc plus d'aluminium qui plus d'aluminium dit plus de spectre. Même ça fait un moment que je n'ai pas produit.
est plus automatique aussi. Donc faut toujours avoir assez d'argent et assez d'aluminium. Voilà, je vais vraiment couvrir mon escadrille de bombardiers, sincèrement. C'est trop rapide. Stealth enemy detected. Donc il y a le radar. Alors la seule chose que je ne sais pas, c'est que si vous détruisez un... Si vous détruisez ça, je ne sais pas si vous pouvez faire avec succès. Donc dans le doute, je ne sais pas détruit. Après peut-être que vous pouvez les détruire. Donc si ils ont corrigé ce bug là, par contre ça sera magnifique. Ah, j'ai pas dégommé tous les trucs de production, je suis bête. Ah si, juste fait, voilà, raser de QG secret. Data cleansing is complete. The worm has done its job. There's nothing left for us here. Let's leave them to their fight and evacuate. Good job. You've done us a big favor. My associates and I will remember that. I am sure you will prove to be an excellent asset to our organization. The Olympians are now dead. All leads to you erased. And above all, Chimera believes Cartel to be gone, along with Whittle. You don't seem affected by this setback. It was only a matter of time before Cartel was finally exposed. This way we can slip back into the shadows. One could wonder to what extent the fall of the Olympus cell was fated. Who cares about that now? What about us? You've proven your worth. As promised, we welcome you to the Heliopolis cell. And what's next? The same as always when we are faced with a minor setback. Turn it into an advantageous opportunity while the world's attention is focused elsewhere. Et voilà, nous avons accompli, donc là ça a marché. Nous avons accompli cette dernière mission, donc je m'excuse de ne pas avoir tout réussi en objectif. C'est vrai que j'ai fait quelques petites erreurs. Notamment avec mon artillerie, notamment sans protection de la base à droite. Mais bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. Si ça porte tout bien. Et à tout le monde.